Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur la RTNC. Les droits des femmes et jeunes filles en République démocratique du Congo, leur représentativité ont été évoqués au cours d'une entrevue que le chef de l'État a accordée à une délégation de l'ONU Femmes. Cette délégation était conduite par la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'était hier jeudi 31 mars 2022 à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Au terme d'une mission de 4 jours effectuée à Kinshasa, mission au cours de laquelle elle a eu des échanges avec la société civile congolaise, les organisations des femmes, la directrice régionale de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Oulima Tassar, est venue faire le rapport de ses différentes rencontres au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 31 mars 2022, journée coïncidant avec la fin du mois de la femme. Trois sujets essentiels étaient au centre de ses préoccupations: les droits des femmes et des jeunes filles en RDC, leur représentativité et les ressources qui leur sont allouées. La directrice régionale de l'ONU Femmes dit avoir rencontré le champion de la défense de la cause féminine, à qui elle a aussi présenté un plaidoyer en faveur de la représentation des femmes au sein des institutions. La loi électorale va être... Il y a une relecture qui se prépare. Nous savons que la Constitution du Congo, en son article 14, consacre la parité. Donc nous sommes venus aussi faire notre plaidoyer pour que la parité et que les femmes soient beaucoup plus représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi parlé des fonds qui devraient être alloués aux femmes et aux jeunes. Nous avons parlé de la loi en instance sur l'entrepreneuriat et les start-up. Et nous pensons vraiment que le président nous a écoutés, il nous a encouragés, il connaît très bien le mandat de ONU Femmes et je pense que nous avons avec nous un allié de taille. Oulima Tassar s'en va avec une bonne impression de femmes et de jeunes filles congolaises qu'elle félicite pour leur engagement dans l'émergence de la RDC. Et de conclure, l'émergence du Congo est entre les mains des femmes. Que le pape François viendra en République démocratique du Congo et des réunions préparatoires pour la répartition des tâches dans l'organisation de cette visite du Saint-Père se tient déjà. À cet effet, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, en a présidé hier à l'immeuble du gouvernement, nous dit Patti Tondouan. L'arrivée prochaine de sa sainteté, le pape François en République démocratique du Congo, les réunions préparatifs gouvernement, nonce apostolique Senko. À l'immeuble du gouvernement, c'est jeudi 31 mars 2022, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, a réuni quelques membres du gouvernement, rencontre élargie à la Commission épiscopale nationale du Congo et aux nonces apostoliques. Des commissions ont été mises en place pour l'organisation de cet événement. Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique, a martelé que cette visite papale du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo ne concerne pas seulement les chrétiens catholiques. Le pape vient pas seulement pour les catholiques, il vient pour tous. Il désire voir tout le monde et c'est pour cela que nous nous sentons engagés à préparer bien l'avènement. Plus l'Église se sent chargée de faire un travail de préparation spécifique pour ce qui est l'aspect essentiel. Le pape vient comme un frère, le pape vient comme un père, pour nous, bien sûr, conduire vers Jésus, mais aussi pour inviter tout le monde à se réconcilier. Ça, c'est le motto, la devise de la visite. Tout réconcilier en Jésus-Christ. Patrick Mouyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, parle de l'élaboration d'une feuille de route qui va servir de boussole pour chaque secteur ciblé dans l'organisation. Le Premier ministre a écrit à nous tous, membres du gouvernement, pour nous informer de la mise en place des commissions et des commissions qu'il a chargées pour les secteurs concernés de préparer les feuilles de route qui serviront de boussole pour chaque secteur ciblé, au niveau de la communication, au niveau de la logistique, au niveau de l'intendance, au niveau des finances. Et aujourd'hui, c'était donc comme une première réunion. Et de manière régulière, chaque semaine, il y aura des réunions de ce genre jusqu'à l'arrivée du pape.
Nous avons essayé de voir ensemble comment nous pouvons encore réactiver tous les mécanismes et toutes les conclusions de ces rapports pour que, en fin de compte, ce problème soit résolu une fois pour toutes et que notre coopération soit plus fondée sur le développement et la transformation de nos économies et commerces transfrontaliers. Les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba, Claudie Balanqui, et l'ambassadeur rwandais ont décidé de mettre en place une commission de vérification et de restauration de la confiance pour poursuivre la coopération entre les deux pays après la tenue à Kinshasa du 10e sommet du mécanisme régional de la COCA d'Addis Abeba. La problématique des infrastructures routières, un défi énorme dans l'espace Grand Équateur, a reconnu le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics. Et après 10 jours d'inspection, Alexis Guissaro s'est fait une idée de la voirie de ce coin du pays. Érudis Kitutu, reportage. Cette tournée dans l'espace Grand Équateur a permis au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, de faire un état des lieux de cet espace qui va accueillir dans le prochain jour le président de la République. Après avoir inspecté les voiries de plusieurs villes et territoires, celle de la province de la Mongala a été la dernière étape de cette mission d'inspection. Sur le tronçon compris entre Lissala et Bumba, l'on note la fin des travaux de construction d'une glissière dans le cadre du programme d'entretien routier 2021. Les travaux de construction de caniveaux et des dalots, la construction d'un pont sur la rivière Lolo, l'état vétuste de certains ponts et l'impraticabilité de la route au point kilométrique 16 sur la RN6. Les travaux de réhabilitation de la résidence du chef de l'État avancent normalement. La voirie de Bumba est par contre menacée par les érosions. Après cette tournée d'inspection, le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics reconnaît que les défis sont énormes. Le gouvernement de Warian, qui est un mouvement qui est prêt à relever tous les défis, trouver des solutions par rapport à cette problématique des infrastructures. Aucun pays au monde ne s'est développé sans développer les infrastructures. Ne dit-on pas que là où passe la route, le développement suit. À Mongala, la population croit au développement de leur coin à travers les infrastructures routières. Le numérique, levier d'une croissance durable en Afrique, thème développé au cours de la Journée mondiale de la diaspora et de l'Afrique en France, la République démocratique du Congo a été représentée par le ministre des Médias et de la Communication, Patrick Mouyaya. Aux Journées nationales de diaspora et de l'Afrique, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a parlé du nouveau narratif congolais. Le changement de narratif que je prône implique donc une réappropriation de récits. C'est rapportant à ce que mon pays possède. C'est les Congos que j'ai surnommés il y a quelque temps pays solution aux problèmes du changement climatique et aux problèmes écologiques. Devant plus de 5000 participants invités à cette rencontre de Bordeaux, Patrick Mouyaya a non seulement souligné les efforts de diasporas africains dans le développement, mais les a invités à travailler en synergie pour des solutions adaptées aux différentes cultures. Les diasporas africaines, à l'image de 54 États d'Afrique, sont très diverses. Mais au-delà de leur diversité, ils rivalisent d'ardeur pour être plus agissants sur l'esprit de solidarité qui a toujours caractérisé. Face aux étudiants congolais, les porte-parole du gouvernement est resté ouvert et attentif aux différentes préoccupations. C'est l'une des principales richesses que nous avons, voir les amis congolais, comment ils évoluent à l'étranger. Les numériques, levier d'une croissance durable en Afrique, l'une des thématiques abordées lors de cette rencontre. Je pense qu'il faut qu'il y ait une compréhension globale au niveau politique de ce que le numérique peut représenter, à la fois pour ce qui concerne la sécurité du pays, à la fois pour ce qui concerne l'emploi, l'encadrement des jeunes et toutes les différentes applications que le numérique peut comporter. Organisé du 24 au 26 mars dernier, ces journées nationales de diaspora et d'Afrique étaient une occasion de valoriser la pensée africaine et de promouvoir leur dimension artistique, sportive et culturelle.
L'exposition universelle de Dubaï s'est clôturée le 31 mars 2022 et c'est également ce même jour qu'ont pris fin les travaux de la grande réunion économique sur les investissements à laquelle a pris part la République démocratique du Congo aux côtés de 169 pays du monde. La grande réunion annuelle de Dubaï sur les investissements a offert à la République démocratique du Congo une tribune pour faire connaître davantage au monde les opportunités d'affaires que propose le pays aux 80 millions d'hectares de terres arables. Lors de la présentation pays de la RDC, le vice-ministre au plan Crispin Badupanzo a en quelques minutes étalé la substance de la politique du gouvernement en matière du climat des affaires et la volonté de ces derniers à diversifier son économie. Une économie diversifiée qui propose de nombreuses opportunités à QV s'installer en RDC avec une économie diversifiée qui propose de nombreuses opportunités à qui veut s'installer en RDC avec des garanties d'une sécurité d'investissement encadrée par de tests et lois, a argumenté le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzo Kamole, qui a conduit les discussions. Plusieurs questions des investisseurs sont revenues sur l'énergie et les petites et moyennes entreprises après les exposés de Jean Bosco Kayombo et Ezekiel Bidoya, respectivement directeur général de l'ASNEL et directeur général de l'ANADEC. Le vice-ministre et sa suite ont également tenu des séances plus approfondies avec des potentiels investisseurs intéressés par les potentiels congolais. Les stands de la RDC n'a cessé d'attirer les participants à cette réunion annuelle, émerveillés par ce qui est présenté sur le pays par les acteurs de promotion de l'ANAPI. Un travail couronné par la remise du prix de 3e meilleure agence de promotion des investissements en Afrique, décerné à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Son directeur général, Anthony Kinzo Kamole, qui a reçu ce titre pendant la soirée des galas, a précisé que celui-ci porte les empreintes de tous les cadres et agents de l'ANAPI et les responsabilise encore davantage. Secteur de l'économie, et cette fois-ci pour parler de la conférence des investisseurs en RDC qui se tiendra ici bientôt à Kinshasa. Elle sera organisée par le groupe Loy Incorporation. Une réunion préparatoire s'est tenue hier à Kinshasa. Ce sujet nous dit Jondip. La deuxième réunion des travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC qu'organise le groupe Loy Incorporated, une réunion présidée par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères, Pius Dipombaka Bakazolai, avec des délégués des différents groupes concernés dans ce projet où ils ont examiné les différents points essentiels des développements qui va toucher le secteur de l'agriculture, mines et environnement, pour ne citer que cela. Les travaux préparatoires que nous sommes en train de diriger a pour objet d'aller rechercher, négocier, mobiliser les investissements extérieurs pour le développement de la RDC, tel que prôné par son Excellence, Monsieur le Chef de l'État, qui voudrait que des investissements puissent venir de l'extérieur pour l'émergence de notre pays. De son côté, le directeur général du groupe Loy Incorporated, Guilin Lokeni, salue l'avancée de ces assises. Nous voulons amener les investisseurs au Congo. Parce que les Congo ont besoin des investisseurs pour créer des emplois. Ici, lors de la réunion, nous avons essayé de parler de la corruption. Il s'y est dénoté que la troisième réunion de ces travaux préparatoires va aborder les questions liées à l'exécutif de la conférence. Autre chose, remise des vivres à l'orphelinat Assomip, association des orphelins de militaires et policiers, dont de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, lors de son séjour à Kinshasa où elle a participé à la 4e édition du forum annuel des femmes entrepreneurs. Suzy Ngoy, Junior Bonyoma. Elle a tenu à clôturer son séjour à Kinshasa par un geste de charité. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a rendu visite aux enfants orphelins de la ville de Kinshasa hébergés par l'Orphelinat, association de soutien aux enfants orphelins militaires et policiers. Simone Gbagbo, accompagnée de Ketia Olangi, présidente de la Fondation Neema, a fait un don des produits de première nécessité aux enfants de ce centre d'hébergement. Cet orphelinat loge près de 36 enfants
et un bébé de 5 mois et encadre plus de 1000 enfants dans la ville de Kinshasa. Pour sa part, Simone Gbagbo a été impressionnée par le travail abattu par les responsables de l'orphelinat. Je suis impressionné par ce travail qui est fait, un travail très modeste et pourtant très efficace parce qu'on a compté ici plus de 30 enfants qui sont pris en charge totalement. C'est pas souvent qu'on trouve de bonne volonté comme ça pour faire ce travail-là. Moi, je voudrais féliciter la directrice et toute son équipe. Et je leur souhaite vraiment que Dieu lui-même vienne régler les problèmes, les soutenir, parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu qu'elles sont en train d'accomplir. Ce geste entre dans les objectifs de la Fondation Nehema, qui s'occupe également de l'aspect humanitaire en scolarisant les enfants orphelins et démunis. Suivez à présent la journée d'échange entre les membres des organisations de défense de droits des femmes organisée par le Centre Carter. Cette rencontre était centrée sur l'impact du changement climatique sur l'autonomisation des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Un commentaire de Suzungoi sur les images de Guilhem Kunga. C'est dans l'objectif d'emmener les organisations de défense de droits des femmes à œuvrer pour une pleine participation des femmes et filles dans la lutte contre les changements climatiques que le Centre Carter, à travers son programme Voix et Leadership des Femmes, a organisé cette journée d'échange. Les membres des organisations de défense de droits de femmes issus de 6 zones d'intervention en RDC y ont pris part. Le panéliste du jour, Emmanuel Tsadok, chercheur à l'université de Kinshasa, s'est penché sur la question genre et le changement climatique. Il a mis un accent sur les enjeux de la situation des femmes et filles en République démocratique du Congo. Pour lui, l'entrepreneuriat féminin est conditionné par l'environnement. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été formulées dans le sens d'accompagner les communautés locales dans la gestion durable et l'identification des ressources disponibles. C'est un grand plaisir pour moi parce que sans un environnement sain, on ne peut rien faire. Et c'est qu'on a dit qu'on doit sensibiliser la femme rurale. Si la femme rurale ne travaille pas, nous ne serons pas ici aujourd'hui. Le programme Voix et Leadership des Femmes est une initiative financée par les Affaires mondiales du Canada. À la CENI, le rapporteur adjoint Paul Mouindo a présidé l'atelier sur le briefing des juristes sur la gestion des contentieux des candidatures de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème. 14 juristes de la CENI ont suivi cette formation. Tétis Samba, Hervé Mpoudi, reportage. L'atelier sur le briefing des juristes sur la gestion des contentieux des candidatures de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème, ouvert le jeudi 31 mars 2022, a été clôturé le même jour par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo Moulemberi. 14 juristes ont suivi cette formation dont l'objectif principal consistait à mettre à niveau égal l'entendement de tous les juristes de la centrale électorale au prescrit des différentes lois qui régissent le cycle électoral. Il s'agit précisément des lois qui concernent les contentieux à la suite de la publication de la liste provisoire des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces concernées par ce scrutin. C'est dans cette optique, à l'ouverture de cette formation, le rapporteur adjoint Paul Mouindo a expliqué la raison d'être de cet atelier. Nous, à notre niveau, nous avons tout fait pour mettre à niveau nos juristes, de façon que ces juristes soient capables de mieux manier la loi, tout ce qui concerne la loi organique, la loi sur l'enrôlement, la loi électorale, en fait que lorsqu'il y aura des cas qui seront posés et que la CENI sera appelée à se justifier, que nous soyons capables de pouvoir dire pourquoi nous avons pris telle ou telle autre décision. À l'issue de cette formation ce jeudi, le rapporteur adjoint de la centrale électorale a exprimé sa satisfaction au regard des résultats obtenus. En tout cas, nous avons atteint l'objectif de notre formation à 99% et nous croyons mieux que la prestation de nos juristes sera à un niveau très élevé sur le terrain. Notons que ces 44 participants seront déployés dans les différentes provinces concernées dès ce vendredi. La lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo, le PNLP vient de sceller plusieurs accords de partenariat avec quelques organisations de la société civile. La signature de ce contrat a eu lieu au siège de cette institution.
Le Programme national de lutte contre le paludisme PNLP et la société civile congolaise, désormais unis pour une cause commune. Ce mariage de raison appuyé par Impact Santé Africa constitue une taxe force, mieux un espace unique de plaidoyer, d'échange d'informations et de partage d'expériences nécessaires pour le renforcement de la collaboration mutuelle entre le programme et les organisations de la société civile. C'est là dans une approche plus efficace de lutte contre le paludisme en RDC. En croire, la représentante du directeur national du PNLP, Madame Clarisse Mbo Moudiri. Il y a un plan stratégique qui a été mis, qui doit être respecté, qui manque, où les gaps, c'est plus de 1 milliard de dollars qu'on doit mobiliser pour pouvoir éliminer le paludisme en RDC. La directrice exécutive d'Impact Santé Africa, Madame Olive Gou, pense plutôt que réunir les organisations de la société civile autour du programme est un cadre bénéfique pour le pays. La RDC fait partie des 5 pays les plus touché par le paludisme dans le monde, et c'est important, si on veut éliminer le paludisme, que la RDC puisse mettre tout en œuvre pour réduire le fardeau de cette maladie. Présent à ces lancements des Tax Force, le président du réseau parlementaire de lutte contre le paludisme et la toxicomanie, les députés nationaux Mpochi et les directeurs adjoints Fonds mondial sans rue, les docteurs Kanoa. Suivez à présent cette réunion sur la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Le système sanitaire de la République démocratique du Congo ne se veut plus statique mais plutôt dynamique. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention poursuit sans relâche son programme de réaménagement de son secteur, entre autres par cet atelier de formation des décideurs, managers, eux responsables du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, sur la gestion des urgences de santé publique. Ces études ont pour but de permettre au personnel de santé à une bonne façon d'élargir les efforts, les stratégies pour protéger et améliorer la santé publique en RDC. Oui, nous sommes en train d'organiser cet atelier de formation des décideurs et des managers sur la gestion des urgences de santé publique. Comme vous le savez, notre pays, la RDC, est confronté à plusieurs urgences, plusieurs épidémies et catastrophes. Donc, il était temps que nous puissions faire cet atelier avec tous les décideurs pour qu'ensemble nous puissions définir quel sera le modèle que nous allons mettre en place de système pour gérer de manière efficace toutes les épidémies, les urgences qui continuent à menacer et à survenir dans notre pays. Donc, c'est un système qui va permettre à ce que nous puissions commencer à détecter très tôt les épidémies et à riposter rapidement. Pour parvenir à lutter efficacement contre toutes ces maladies, il nous faut des stratégies adaptées avec un système d'éjection des incendies dans une collaboration harmonieuse avec toutes les structures concernées. Regardez ce portrait d'une femme des médias, Peggy Mukunda, journaliste à la RTNC, ses ambitions, ses rêves et sa vision de la profession à travers ce reportage. Mukunda, c'est Chantal Kanimbo qui lui a donné le goût d'exercer ce métier. Elle nous retrace ici son parcours professionnel. C'est Chantal Kanimbo qui m'a donné ce goût d'exercer le métier de journalisme. Quand j'ai terminé mes études primaires et secondaires, je suis allée étudier les lettres, la rhétorique, dans l'art de bien écrire et de bien parler, ce que vous appelez la section littéraire. J'ai eu mon diplôme, je suis allée me faire inscrire à l'ISTI à l'époque, vers 1995, et j'ai commencé à étudier. J'ai eu de la chance, on m'a engagée à l'OSRC à l'époque comme téléspectrine. Donc j'ai étudié et j'ai combiné le travail et mes études. Et quand j'ai terminé mes études supérieures à l'ISTI, j'ai demandé mon transfert à la direction des informations télévisées, là où je suis présentement, comme chef de section à la direction des enquêtes et magazines. Au-delà de tout, la prière et le travail acharné font partie de son secret. Le secret d'abord... c'est la prière. Moi, je prie beaucoup. Hein. Je fais tout, je laisse tout entre les mains du Seigneur. Le travail acharné, hein,
il faut toujours se donner. Quand vous voulez de quelque chose, il faut se donner pour arriver. Les femmes sont capables de se créer une identité, car vouloir, c'est pouvoir. Parlons encore de la femme, cette fois-ci dans la province de l'Ituri, où son rôle dans cette province, c'est le sens de cette matinée d'échange organisée à l'honneur de la femme itourienne, surtout la femme travailleuse, Junior Selemani. Vous nous distinguez par le travail. Je dis à toutes les mamans, courage. En cette fin de la clôture du mois de la femme, le personnel féminin de l'Office congolais de contrôle, agence de Bounia, remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décerné des diplômes de mérite à deux femmes de cette entreprise qui ont passé plus de 30 ans de leur vie à servir l'État. C'était au cours d'une cérémonie grandiose organisée pour la circonstance. Il s'agit de mesdames Arija Abdallah et Mouezena Weza. Occasion pour madame Arija Abdallah et Mukendi d'interpeller la conscience des femmes de l'OCC sur un travail bien fait. Aux autres qui nous suivent, de respecter les textes de l'Office et de travailler comme il faut, d'être disciplinés. Il y a de ceux-là qui nous ont précédés, qui n'ont jamais eu cette grâce et ils sont partis. Il y a de ceux-là qui sont allés en retraite sans pour autant avoir cette mérite que nous avons aujourd'hui. C'est une médaille d'or. Nous sommes comblés de joie. Au directeur et chef d'agence de l'OCC Bounia, Fredungu Moja, d'encourager les femmes de cette entreprise d'être compétitives pour accéder à des fonctions de responsabilité. Vous-même, les mamans, vous avez décidé de clôturer le mois de la femme. Nous avons jugé utile de vous accompagner. C'est vraiment important. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à la femme que vous êtes. Parlant au nom des femmes de l'OCC, Diane Ouacha invite ses semblables à privilégier la méritocratie dans leur savoir-faire et leur savoir-être dans les milieux professionnels. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Retour à Kinshasa où les combattants et combattantes de l'UDPS, membres de la fondation Tshibalabala, résidant tous à Tshangou, vont dans les tout prochains jours bénéficier des formations professionnelles sur l'entrepreneuriat, ceci dans le but de lutter contre la pauvreté. Cette annonce a été faite par l'honorable François Tshibalabala, cadre de l'UDPS, au cours d'une matinée d'échange sur l'autonomisation économique et sociale. Serge Mata. Au niveau national, les taux de chômage avoisinent les 70% de la population active. Quelques solutions existent pour faire échec à la pauvreté. C'est la raison pour laquelle les vice-présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et cadre de l'UDPS, l'honorable Francis Tshibalabala, a annoncé à la population de la Tshangou l'organisation dans les tout prochains jours d'une série de formations professionnelles sur l'entrepreneuriat et l'inclusion financière. L'objectif affiché est clair, c'est de soutenir des projets émergents portés par les combattantes et combattants de l'IDPS Tshangou, membre de la structure d'appui aux initiatives de la Fondation Francis Tshibalabala. Question de leur permettre de renforcer les compétences et d'évoluer tout au long de leur vie pour éviter le chômage, omni, les coûts de coupe et couture, l'esthétique, la menuiserie et bien d'autres encore. Au niveau de la Fondation Tshibalabala, nous prenons l'autonomisation de femmes. Chômage très élevé, nos parents sont pratiquement au chômage. Et voilà, il faut des têtes d'initiative pour encadrer les femmes. De cette façon, la Fondation Francis Tshibalabala a réaffirmé sa volonté à aider les personnes vulnérables, porteuses de projets innovants, mais en manque de moyens financiers. Cette activité a été organisée dans le prolongement de la clôture du mois de mars dédiée à la femme. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention et merci à la grande équipe rédactionnelle, notamment Mouika Claudine, Kalinga Justin, Hélène Gala, Jean-Pierre Kabongo et Joël Kayembe. Au revoir et bonne suite de programme sur l'RTNC. Retrouvez à 19h, Séverine Katanda pour la suite de l'actualité. D'ici là, bonne suite de programme sur l'RTNC.
Je viens de finir ma cuisine. Maintenant, je dois la débarrasser et la rendre propre. Mes frères et sœurs, ne jetons pas n'importe où nos ordures et autres déchets ménagers. Regardez chez moi, j'ai 3 paniers. Le panier jaune, j'y jette tous mes déchets organiques. Le panier bleu, j'y jette des canettes et des papiers. Le panier blanc, j'y jette toutes mes bouteilles en plastique, s'il vous plaît. Mes chers frères et sœurs, ne mélangeons pas nos déchets, car cela nous apporte des maladies et détruit notre environnement. Parce que recycler les déchets plastiques, c'est protéger la nature de manière responsable. Ensemble, avec Kintoko, rendez vos efforts d'assainissement rentables. Kintoko, je rends ma ville propre et je gagne de l'argent.